Et lui les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog Dissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu The Curse of Monkey Island, donc un jeu PC qui m'a été offert par Sylive et si présent, merci à toi encore une fois. Et salut Damien, comment vas-tu? On a été miniaturisé, oui. Mais c'est quand même terrible parce que ça fait penser un petit peu au personnage de Sam et Max quand je le vois comme ça. Je ne saurais pas vous dire pourquoi exactement. Pas non, on va laisser aller voir un petit peu ce qui se passe partout. Oh mais cette démarche. C'est écrit manège. C'est un énorme plateau de meringue. C'est le canon qui sert à tirer des gâteaux sur le clown. Ce personnage-là me fait énormément penser, vous savez, à... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est le film d'Ingo et Max. Coucou, Dimion, comment vas-tu? C'est le canon qui sert à tirer des gâteaux sur le clown. Non, mais c'est lui que je vois. Charmant, un gigantesque rat d'égout. Non, vaut mieux pas. Je ne suis pas de taille. Pire. Ouais, gamin, tu veux quoi? À quoi ressemble le type à l'intérieur du bulle toutou? Qu'est-ce que tu me demandes, là? Je suis qu'un rat géant. Il m'est pas permis de m'associer à sa majesté, le grand et puissant bulle toutou. Peux-tu me présenter à bulle toutou? Non, je peux pas. Maintenant, va-t'en! Il est super cool, Bulletoutou, non? Ah ouais, il est exceptionnel. Il a bien plus de talent comme comédien qu'un vulgaire rat géant. On lui donne un costume de chien géant et il joue les primadonna. Je parie que Bulletoutou a un salaire de star. J'ai bien envie de le pousser. Et alors, où est le problème? Il a pas besoin de talent pour jouer des gros chiens-chiens rigolos. Et s'arranger pour que les enfants viennent admirer un rat géant? Ça, c'est de l'art! Je suis sûr que son costume sent bon. Tu sais, petit, tu commences à me courir sur le haricot. Je parie que Bulletoutou pourrait te battre. Impossible. Je suis sûr qu'il peut. Je vais te dire, pourquoi que t'irais pour lui mettre une raclée? Et puis tu reviens me dire comment il a pris ça, hein? Burk, qu'est-ce qui pue comme ça? C'est un habit de rat géant, morveux. Tu t'attendais à quoi? Des roses? C'est exactement ça, Damien, oui. Et coucou Alexandre, je t'ai pas dit bonjour non plus. Le crâne va bien avec le jeu. Ah, effectivement, oui, Maurice s'en tirait bien, je pense, par ici. Je suis le seul à être incommodé par cette odeur. Ouais, d'accord, l'habit sent pas très bon, on le sait. C'est ça. Venez tous vous moquer du rat géant. Je suis le seul à être incommodé par cette odeur. Ouais, d'accord, l'habit sent pas très bon, on le sait. C'est ça. Venez tous vous moquer du rat géant. Ok, se tourne en boucle après. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? Ça s'appelle le jeu de massacre et c'est mégaphone. Visez le drôle de clown et gagnez un super lot. Regardez bien les tartes jaillir du canon à vitesse supersonique. Visez juste et c'est le gros lot. Venez vous éclater la rate avec le joyeux radiquet et son pote Monty Meringue. Quel parfum. Comment? À quoi sont les tartes aujourd'hui? Je sais pas, on dirait meringue citron. T'as pas des questions moins stupides? Je veux tirer au canon, je veux tirer au canon! Désolé petit, t'es trop jeune. Le jeu de massacre c'est pour les plus grands. C'est de la discrimination? Il faut que je le voie tirer, sinon je n'y croirais pas. Tu veux voir tirer le canon? Et c'est parti! Tire encore une fois! Je te l'ai déjà montré! Refais-le, refais-le! Ok, gamin, mais une fois seulement! Mais il va falloir remplacer quelque chose par ici. Mais c'est quoi de la meringue? Je sais pas! Des œufs battus en neige! Je ne sais plus, Damien. Je t'avoue que j'ai pas fait attention. Comment fonctionne ce stand déjà? Peu importe. Est-ce que je peux éventuellement... Peut-être que je peux prévoir un truc là-dedans, quoi. Hé hey, qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai trouvé cette boîte. Oh, happy day! On est sauvés!
Je voulais juste te proposer... On en a pas besoin! Barre-toi! Murray... Qu'est-ce qu'il fait là, d'ailleurs? C'est Murray. Ah, Murray. Hé, hey, c'est toi! Tu es déjà mort? Tu as changé de tête. Je ne suis pas mort, juste maudit. Maudit? C'est parfait. Moi aussi, je suis maudit. Joignons nos malédictions et régnons ensemble sur le monde. Ouais. Laisse-moi te rendre l'appareil. Hors de ma vue, pas l'ectoplasme. Alors, balance. C'est une bonne vieille balance de carnaval. Non. Elle se dépose en joie, petit gars. C'est tellement bizarre d'entendre sa voix, lui. Es-tu vraiment le célèbre Bulle-Toutou? Et comment? Je suis là pour m'assurer que tout le monde s'amuse. C'est comment ton nom, petit? Pour commencer, je ne suis pas un petit. Je suis Guybrush Threepwood, pirate émérite. Par l'écrou de mon père, c'est génial. Ne sois pas condescendant. Bien! Alors on peut dire que tu as du vocabulaire pour ton âge. Tu es plein d'astuces, petit gars. C'est super. Rira bien qui rira le dernier. Bientôt, je détruirai le Chuck. Et tout votre univers tombera en ruine. C'est ça, va donc jouer ailleurs. C'est vrai? Je demande une preuve, monsieur Bluebeard. Comment faire pour gagner un de ces lots? Comment faire pour gagner un de ces lots? C'est facile, camarade. Si je ne devine ni ton poids, ni ton âge, tu pourras choisir ce que tu veux. Ça me paraît douteux. Il n'y a pas de triche. C'est comme je te l'ai dit. Il faut deviner combien je pèse. Allons-y. Laisse-moi t'examiner, mon petit gars. Alors, voyons cela. Je suppose qu'un bon petit pirate comme toi doit peser... 49 kilos. Ha! On va bien rire. J'ai peut-être l'air d'un petit garçon, mais en fait, je suis un féroce pirate qui pèse... 49 kilos. Oh, c'est vraiment embarrassant. Peut-être que je mange pas assez, ouais. Ça doit être ça. Mais tu ne devineras jamais mon âge. Je ne me trompe jamais. Un intrépide petit boucanier comme toi doit avoir tout juste 7 ans. Ha! Faux! Il se trouve que j'ai 20 ans. Tu as une preuve de ce que tu dis? J'aimerais la voir. Tu m'accuses de mentir? Et comment, petit? J'ai justement la preuve sur moi. Membre actif de la troupe des acteurs flibustiers, Guybrush Threepwood, âge 20 ans. Tu as donc raison. D'où ça sort, ça? J'ai envie de lapin de contrebande, je voudrais un petit canon décoratif. Que dirais-tu d'une de ces jolies poupées vaudou? Je voudrais cette encre, et ton costume, il fait partie des lots? On lui demander. Et ton costume, il fait partie des lots? Non. Et ne parle à personne du costume, fiston. Il faut conserver intacte la magie de Big Whoop pour les autres enfants, n'est-ce pas? Bonne question. À l'église, je vais te montrer. Oh, et pourquoi elle est à l'église? T'as pas mieux? Et une encre. J'ai envie de ce crâne qui parle. Grâce à mon terrible pouvoir satanique, nous régnerons sur le monde. Tu as raison, Murray. Si j'avais ce pouvoir, la tentation du mal serait trop grande. Je choisis l'encre. Ah bah... Porte-le, fiston. Félicitations. Amuse-toi bien sur les attractions. En ton fort intérieur, je suis ce que tu recherches vraiment. Quoi? Tu as choisi l'encre? C'est une très belle encre, Murray. Désolé. Comment as-tu pu me... Hé, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je veux juste une de ces tartes.
Ah bon? Moi, ce que je veux, c'est quitter cette tête de rat d'égout. La vie est dure, petit. Tiens bon. Est-ce qu'on peut ouvrir la barrière? À quoi peut bien te servir ce machin en fer? Je ne peux pas y retourner. J'ai une frousse bleue des mimes. En plus, cette encre, elle est fausse. Et l'autre, il râle. C'est génial. Je suis un vrai crâne qui parle. Et alors? Oh, les mouches. Tout ce qu'on a vécu ensemble. Cette main indique la taille minimum pour aller sur les montagnes russes. Bon, prends cette encre stupide. Bouah. De toute façon, t'aurais été un mort-vivant nul. Quel genre de glace avez-vous? Tu as demandé quelle sorte de glace? Ouais, j'ai toutes les variantes possibles. En matière de glace, j'ai le meilleur offre du monde. En fait, mes boules, ils sont si originales, si parfaits que... si uniques, que la plupart, ils n'est jamais comestible. Possible, tiens, Damien. Tu n'as qu'à voir. J'en ai des sucrés, des à la viande, c'est déjà mieux des gelées, des moulets et des au citron. Et des baveuses, des boules au soja, avec des morceaux et même avec de la troène. Ça vient de la haie de mon voisin. Des boules épicées avec des poux ou des framboises, des boules poilues ou avec du lait. Et à Noël, ding ding dong, j'ai fait la boule de vœux. Alors, qu'est-ce que tu dis de tout ça? J'ai plus faim. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Allez, salut! De toute façon, t'aurais été un mort-vivant nul. Maintenant, c'est une lourde tourtière. Me voilà avec une tourtière pleine de crème à raser. Je préfère m'en tenir à ma boule. Hors de ma vue avant que je... Je ne peux pas coller ça. Elle est déjà pleine de crème à raser. Si tu tiens à la vie, simplement... Mince, ma glace a fondu. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je tente des trucs, hein, on verra bien. Que coup d'Amisa. Tripouille. Si je te demande quelle heure il est, tu vas me répondre que tu vas bien, c'est ça? Non? J'ai peut-être un petit peu inversé. Qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai trouvé cette tarte. Quoi? Ah oui, merci, petit. Tire, vas-y, tire! Pas maintenant! Je veux voir le canon tirer. Je veux le voir. Dégage, demi-portion! C'est grâce aux clients que tu vis. Attends, je vais dire à le Chuck qu'on ne s'occupe pas bien des gosses ici. C'est bon, petit, c'est bon! 22-22, madame. Il est 22. Non. Étrange. C'est peut-être la mauvaise acoustique de cette grosse tête. Ferme-la, petit. Bon, du coup, ça aura servi à quoi de faire ça? Youhou, monsieur le rat qui pue. Dégage de là, sale vermine! Et là, qu'est-ce que tu comptes faire, gros rat? Ça te fera une leçon! Je garde ces miettes pour plus tard. Ok, donc j'ai récupéré de la glace. T'as raison, mais ça va être tellement long d'attendre le 25 en fait. Bon, la glace a fondu, on va essayer de voir par là-bas. Interdit. C'est pour les grands enfants. Mais... Je ne mange pas ça sans autre chose. Y a pas à dire, une vraie glace, c'est bien mieux que du carton trempé. Je ne mange pas ça sans autre chose. Je vais te reprendre cette vieux cornet. Merci. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Allez.
Salut. Cette meringue a l'air bonne. Là, je viens de découvrir un goût unique. Je dois accéder aux montagnes russes. J'espère bien. J'ai du mal à suivre quand même ce qu'il faut faire. Mais c'est réservé aux enfants plus âgés. Ça m'est égal si c'est dangereux, il faut que j'y aille. Oh non, 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 fiston. Ce n'est pas que ce soit dangereux, mais il faut avoir un certain âge pour apprécier l'exquise terreur que l'on éprouve sur ces montagnes russes. Dans quelques années, tu seras en mesure d'apprécier cela. Tu pourras aussi t'acheter autant de bonbons que tu voudras et t'en mettre plein la panse, comme les adultes. Oh, comment il te parle, quoi. Monte bien la garde. J'ai toujours du gâteau à la meringue. Peut-être plus tard. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire de plus du coup? Je vais te reprendre cette vieille cornette. Merci. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Je tente des trucs, on verra bien. Hein. Allez, salut. Cette meringue a l'air bonne. Je préfère m'en tenir à ma boule. Je préfère m'en tenir à ma boule. C'est une infecte boule saupoudrée, blanc d'œuf battu en neige. Et qu'est-ce que ça a l'air bon. Mince, ma glace a fondu. Ah. Donc je peux pas l'amener très loin en fait. Non mais cette démarche, c'est génial. La question c'est qu'est-ce que je peux faire de plus ici? Je peux pas emmener ça plus loin. Je n'ai plus besoin d'insultes. Je n'ai plus besoin d'insultes, ça veut rien dire. Hey, y'a quoi là-haut? Je peux pas l'atteindre. Le truc, c'est que ça affiche rien, donc c'est un truc qui existe peut-être même pas, ça là-haut. Je peux pas l'atteindre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le jeu c'est The Curse of Monkey Island, c'est écrit comme ça. Et la jaquette ressemble à ça. Voilà. Pour la... D'accord, il manque plusieurs choses pour la glace. Ensuite... Comment fonctionne ce stand déjà? Le concept du jeu est pourtant simple. Faut tirer des tartes à coups de canon sur le type habillé en clown. Si tu l'atteins, t'as un lot. C'est mégaphone. Peu importe. Parce que j'ai l'impression qu'il ne reste pas énormément de choses en fait ici à observer. Murray va nous faire la tête. Murray? J'ai pas envie de te parler. Tu as laissé tomber ton meilleur ami pour une encre. C'est écrit, faites deviner vos âges et poids. On a juste bu toutou. Je ne pense pas qu'il aimerait ça.
Toujours pas. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Hors de ma vue, pas l'ectoplasme. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Il y a quand même pas énormément de choses à voir dans l'environnement, donc je me dis qu'il y a forcément notre endroit où je dois aller. Là, je peux pas aller plus loin, panneau. C'est écrit glace. Il n'y a pas énormément de place dans le décor. Et des lapins en plus là. Je voudrais parler au directeur. Pas question, mon petit gars. Des enfants plus grands que toi ont déjà fondu en larmes en voyant le directeur. Il faut vraiment que je parle à un responsable. Ce n'est pas possible, fiston. Monte bien la garde. C'est pas gratuit. Tu dois d'abord le gagner. Oui, mais non. On a une encyclopédie. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. On a si bien sorti l'âge, j'avoue, mais pour ça qu'on est petit. Ça. Hey, t'es trop petit pour te servir de ce canon. Attends qu'un des grands garçons arrive, d'accord? Mais j'ai tellement envie de tirer. C'est trop dangereux pour un petit gars comme toi. Je ne suis pas un petit garçon. J'ai 20 ans. D'accord, et moi je suis Bulle Toutou. Vous rêvez. Misérable demi-portion. Va-t'en avant que je fasse quelque chose que tu vas regretter. C'est le canon qui sert à tirer des gâteaux sur le clown. Le radéqué, j'ai déjà l'impression d'avoir fait le tour en fait. Je garde ces miettes pour plus tard. C'est tout ce qu'il reste de ma boule. Boule détrempée en carton. Masque de crème de fèves. Est-ce que j'ai des objets que je pourrais mélanger? Je ne peux pas coller ça. 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 Parce que là, il n'y a que la balance. Il n'y a pas les ballons au-dessus. Non. Il n'y a que les lapins en peluche. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Plateau de gâteau de la meringue. Non, mais au-dessus, il y a quoi? Parce qu'à droite, on voit qu'il marque Ride et à gauche, c'est marqué quoi? C'est écrit Galerie de l'étrange. Tu sais que je veux pas partir par là-bas. Il n'y a pas de bouton pour y aller. Ça, c'est le panneau. Là où il y a bien quelque chose, mais je peux pas l'activer. Là, je peux pas aller plus loin. Le trou, on a déjà regardé. On a déjà ce qu'il nous faut en termes de meringue. Donc, qu'est-ce que je rate dans le décor? Pour le moment. Sachant que si je reviens, la glace fond. Donc, il y a forcément un truc à faire avec la glace. Moi, je sais. Bah, il faudrait que je trouve un moyen de regrandir, peut-être, mais... On a une balance. C'est une bonne vieille balance de carnaval. C'est une bonne vieille balance de carnaval. Hey, ce n'est pas un jouet, petit gars. Non. On a que Bulle Toutou. Là, on peut pas y aller. Il n'y a pas d'autre interaction dans le décor. Non. Bouah. Je vais te reprendre cette vieux cornet. Merci. Je ne pense pas qu'il aimerait ça.
Il y a pas autre chose je que je pourrais une récupérer. Boule de glace nature. D'accord, jeune. Allez, salut. Cette meringue a l'air bonne. Je préfère m'en tenir à ma boule. Je préfère m'en tenir à ma boule. Je l'avais déjà fait, ça, mais bon. Crème de fève. Ah. Je préfère m'en tenir à ma boule. Bon, vu que ça m'a détruit là, le truc de fève, je pense qu'on va être bon. Non, mais justement, il fallait que je trouve une solution pour créer cet objet-là. Mince, ma glace a fondu. Oh non! Bah, du coup, mon... Je ne pense pas qu'il aimerait ça. J'ai perdu mon truc de fève. Je vais te reprendre cette vieux cornet. Merci. J'ai perdu mon masque. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Allez, salut. Bah, j'y ai perdu mon masque. Cette meringue a l'air bonne. Je préfère m'en tenir à ma boule. Mais au moindre instant où je vais me déplacer, ça va être foutu, encore une fois. Chez le marchand de journaux. Mais le marchand de journaux, y en a pas. Mince, ma glace a fondu. S'il y a un autre endroit où je peux aller, je sais pas encore où. Au début, mais où ça le début? Parce qu'en fait, je sais pas où est-ce que je peux aller là. Je n'ai plus besoin d'insultes. J'ai l'impression que je peux pas quitter cette zone en fait. Alors j'ai raté un endroit où je peux aller. Ah! La glace fond avant. Je vais te reprendre cette vieux cornet. Merci. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Allez, salut. J'ai déjà une délicieuse glace. Cette meringue a l'air bonne. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ça n'a pas besoin d'être savonné. Bah, je suis coincé dans ce décor là pour l'instant. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Mince, ma glace a fondu. Sinon, je vois pas comment on fait pour revenir ailleurs en fait. Parce que le seul endroit que je peux atteindre à partir de cette zone-ci, apparemment, c'est les montagnes russes. Mais je ne peux pas y accéder pour le moment. Tu vois, il n'y a pas un seul endroit où je pourrais essayer de passer. Moulin à poivre. D'accord, encore une fois. J'avais raté un objet dans le décor. Je vais te reprendre cette vieux cornet. Merci. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Allez, salut. Un délice. Cette meringue a l'air bonne. C'est suffisamment assaisonné. Mince, ma glace. Elle a encore fondu, quoi.
Donc s'il manque plus qu'une chose, ça veut dire que quelque part dans le coin, il y a quand même un truc que j'ai raté. Là c'est bututu, panneau, bututu, 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 lapin en peluche, balance, muret, il n'y a pas un seul autre objet quelque part qui traîne. Muret ? J'ai pas envie de te parler. Oui, t'es bien gentil, mais non. Je l'aime bien, mais je trouve qu'il devient ridicule. Bah le truc c'est que je sais pas, parce qu'il y a un truc tout là-haut là, mais ça apparaît pas et je sais pas ce que c'est. Je peux pas l'atteindre. Je peux pas l'atteindre. Je peux pas l'atteindre. Je peux pas l'atteindre. Peut-être qu'en utilisant le canon, je peux essayer de tirer au-dessus, je sais pas. Je peux pas l'atteindre. Je tente des trucs, hein. Je peux pas l'atteindre. C'est ça. Mais c'est pas la première fois, de toute façon, que je tourne en rond sur le jeu et... Je peux pas l'atteindre. Je peux pas l'atteindre. Alors j'essaie les trucs. Je peux pas l'atteindre. Je peux pas l'atteindre. Je peux pas l'atteindre. Je ne peux pas, 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 je ne peux pas utiliser un ballon avec ça. Parce qu'on a le lapin, mais sinon je vois pas ce que je peux atteindre d'autre en fait, à partir d'ici. Là on a les gâteaux à la meringue, on peut pas les prendre, canon, radéqué. Radéqué machin chose. Parce que là c'est que la balance, y a... on peut pas récupérer des ballons ou autre. Les lapins en peluche. Bon, c'est le panneau que je vois là. Salut Sébastien. J'y ai pas joué à StarCraft 2. Je suis pas très fan de l'ambiance, tu vois, entre StarCraft et Warcraft, je préfère Warcraft, donc... Quitte à choisir... Interdit ! C'est pour les grands enfants ! Ça, c'est toujours Bultoutou. Où est le dernier élément, du coup ? Ça c'est le panneau, panneau, panneau. Putain, c'est chaud de louper aucun objet. Hein. Là y'a rien. Charmant, un gigantesque rat d'égout. Non, vaut mieux. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne pense pas qu'il aimerait. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Mon instinct de pirate me dit que je... Je ne pense pas qu'il aimerait. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne pense pas qu'il aimerait. Bah oui, mais j'essaye. Je ne pense pas qu'il aimerait. Je ne pense pas qu'il aimerait. Je ne pense pas qu'il aimerait. Tu aurais pu se gratter en dos avec. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne peux pas coller ça. Je ne peux pas coller ça. De quoi sans eux? L'oignon fait la force. Qu'est-ce qui peut me manquer? Est-ce que je peux essayer de récupérer l'aiguille par exemple? Non. Ce n'est pas un jouet, petit gars. Je ne crois pas. C'est suffisamment assaisonné.
Je ne peux pas utiliser le squelette. Je ne peux pas coller ça. Parce qu'après, est-ce que j'aurais pas pu essayer d'installer un truc pour que ce soit plus léger? Peut-être plus tard. Oui, c'est rigolo, mais il faut choisir autre chose. Je me suis déjà rasé la semaine dernière. Seule la page 243 est déchiffrable. Un compas est un morceau de métal aimanté qui flotte dans une solution. Ça bave. Je n'ai pas envie d'y goûter. Ça a l'air délicieux. Visitez Big Whoop, ne tardez pas. Mais il n'y a ni carte ni photo. Mais ça, on s'en fout. J'ai besoin de quelque chose à coller. Le sac de jetons est léger. C'est plein d'os et ça me fout le bourdon. On aura passé une première vidéo avec 30 minutes dans un dialogue et là je vais passer 30 minutes à tourner en rond pour essayer de comprendre ce qu'il faut que je trouve en plus. Parce qu'on a que des bulles toutou. Et si je lui parle, de toute façon, j'ai pas d'autre solution que lui demander d'aller voir les montagnes russes ou autre chose. Et en plus, il faut que j'arrive jusque là, quoi. J'ai pas encore essayé. Si, j'ai déjà mélangé avec la glace, le poivre. Et avec d'autres objets. Monte bien la garde. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Parce que tu en avais déjà essayé avec le reste, il me semble. C'est suffisamment assaisonné. Donc on l'a mis tout à l'heure la glace. On a mis du poivre sur la glace, mais ça n'a. Apparemment il manque un truc encore. Peut-être que je suis censé la. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Non, mais c'est pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça fait un. Bah, c'est ce que disait Sulib, du coup, qu'il y avait un truc sûrement planqué quelque part. Que je ratais. Merci. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Est-ce qu'il y a les mouches qu'on peut choper autour de lui? Allez, salut. Non. Si on pouvait tuer les mouches autour de lui, ce serait peut-être pas mal, non? Parce que tu vois, on met du poivre dessus. Un délice. Cette meringue a l'air bonne. On met de la crème. Meringuée. Mais après, on peut rien mettre d'autre, en c'est fait. C'est pâteux. Ah, j'ai mis de la colle. Depuis le début, il fallait que je fasse ça. Donc là, elle va pas fondre la colle, du coup, si je comprends bien. Je ne peux pas utiliser un ballon avec ça. Je préfère maintenir à ma boue. Ça n'a pas besoin d'être savonné. Un délice, quoi. Cette meringue a l'air bonne. Non. Est-ce que je regarde si l'inverse au cas où. L'encyclopédie ne servira à rien avec ça. Je ne peux pas utiliser un ballon avec. C'est juste de la lecture. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras. Ça ne prend pas de jetons en bois. La baguette magique n'a pas d'effet là-dessus. Est-ce que ça va fondre ou pas? Mince, ma glace a fondu. Donc il manque toujours un truc. Je vais te reprendre cette vieux cornet. Merci. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Qu'est-ce qui peut bien me manquer, là? Allez, salut. Cette meringue a l'air bonne. Un délice poivré. Heureusement qu'il y a du poivre.
change rien. Je vais te reprendre cette vieux cornet. Merci. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Mais j'aimerais bien une glace à la mouche, mais il n'y a pas de... J'ai pas l'impression que je puisse en choper une. À moins que je puisse... Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Un délice, poire. Cette meringue a l'air bonne. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Mince, ma glace a fondu. Je pense qu'il lui a appris de faire ça. C'est suffisamment assaisonné. Je garde ces miettes pour plus tard. Oui, mais... À moins qu'on puisse se pousser lui, en fait, mais... Non. Je vais te reprendre cette vieux cornet. Merci. J'ai changé d'avis, je ne veux pas de glace. Allez, salut! Sans te faire de reproches, ça fait 15 fois que tu fais le même truc. Bah, au moins, on va tourner en rond assez pour qu'on me donne la solution, oui. Donc, la glace, j'avais déjà pris. J'ai changé d'avis, je ne veux pas de glace. Allez, salut! Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Allez, salut. Alors. Cette meringue a l'air bonne. Un délice poivré. J'ai déjà une délicieuse glace à manger. Non. Tu veux me dire que la glace a fondu, non? Mince, ma glace a fondu. Et ce n'est pas très gentil, petit gars. Allez, je t'en prie, arrête de frapper le brave Bulle Toutou. Ceci est mon dernier avertissement, gamin. Là, tu dépasses la limite. Oui, mais... Tu commences à me taper sur les nerfs. Attends, tu vas voir. Voilà ce que tu mérites, sale morpion. Ah, il m'a mordu. Rends-moi ce poil, petit. Tu abîmes le déguisement. C'est de ça qui me manquait, du coup. Bouh. Il est moins beau quand on le voit en vrai, et il a l'air plus terrifiant. Non. Monte bien la garde. Si je le repousse, il se passe quoi? Ah non, il n'est pas régulier. Il mord. Et lui? Je t'ai déjà dit, touche pas au canon. Non, vaut mieux pas. Je ne suis pas de taille. On va réessayer le coup de la glace, alors. Je vais te reprendre cette vieux cornet. Merci. On va finir par arriver de façon à un moment donné. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune. Allez, salut. Oh, il y a des poils. Cette meringue a l'air bonne. Mince, ma glace a fondu. Mais pourquoi elle est si loin? Tu veux pas lui donner de la glace C'est incompatible. C'est incompatible. Sérieux? Ça n'a pas besoin d'être savonné. Bah à qui faut que je la donne, la glace? Qu'est-ce qui pourrait me manquer encore? Je vais te reprendre cette vieux cornet. Merci. D'accord, la glace est pour moi. Je voudrais une boule de glace nature. D'accord, jeune.
salut. Parce que c'est lui qui cherchait à empoisonner à la base. Il y a des poils. Cette meringue a l'air bonne. Heureusement qu'il y a du poivre. Gel de cerveau. Tout ça pour ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Sixième partie, Guybrush joue à son bateau. Punaise, c'était long. C'était long parce que j'étais nul, hein, mais on va... En même temps, ça se comprend quand tu veux que quelqu'un tourne en rond pendant des heures pour rien. Mais... Trop tard pour sortir. Ah mince. Où sont-ils? C'est un Wally Dynamo singe électrisé. On dirait presque qu'il va parler. Eh mais attendez, c'est vraiment Wally? Tu peux compter sur moi, Wally. Dès que j'aurai battu le Chuck, sauvé Hélène, libéré tous les singes et jugulé le boucanier rotatif, je reviendrai pour te libérer. Tu ne pourrais pas arrêter de te balancer, c'est énervant. C'est une réplique de la salle des tortures du château de le Chuck, du temps où il était zombie. Aïe! C'est vraiment brûlant. C'est une bouteille d'huile. Je ne crois pas. Hélène? Ah, Freepwood, ce n'est que toi. Tu as vu Hélène? Elle m'a dit qu'elle allait se repoudrer le nez, et je ne l'ai pas revue depuis. Je me suis fait avoir une fois de plus. Bouge pas, mon mignon. Je vais te carboniser. Hein? Oh. Aïe! Aou! Peut-être qu'il y a un certain nombre d'éléments à récupérer, mais... Y'a quoi là-haut? Des neiges, dynamo, tout ça. Y'a des choses, je suis con. C'est quoi cet environnement? C'est le cauchemar de tous les marins. L'abominable singe des neiges. Non. Non. C'est incompatible. La baguette magique n'a pas d'effet là-dessus. Et je tente des choses, hein, on verra bien. On a combien? On a 48 minutes, dis donc. Ça annule la malédiction, bah tu m'étonnes. Bon, bah je crois qu'on n'a rien de plus à faire par ici, bah, on va redescendre. Hein. Faudrait que je coupe la rediffusion quand même. Ce diorama montre l'île aux singes telle qu'elle était la première fois où je suis venu. Un singe à trois têtes. Je ne peux pas l'atteindre. C'est la carcasse du capitaine Derman d'Ancarier. Je ne peux pas l'atteindre. Non. Encore toi! Comment se fait-il que tu n'aies pas été ébouillanté dans le bassin de lave? Hélène a sûrement trafiqué les commandes et changé les aiguillages. Oh, elle me fera mourir. Enfin, c'est une façon de parler. Bon, allez. Et par tous les diables, je l'ai dans la peau, cette petite peste. Que les flammes te dévorent, Freepwood. On ne connaît que trop bien cette animation.
Non. C'est Roger Rome l'Ancien, tel qu'il était de son vivant. C'est le capitaine Marley, le grand-père d'Hélène. Non. Non. Diorama. Rappel oignon. Peut-être qu'il faut qu'à chaque fois, je récupère un truc dans chaque morceau de décor. Là, il y a une saucisse là-haut, donc peut-être qu'il fallait que je la récupère, en fait. Ça, c'est moi. Regardons. Je suis heureux de voir que je fais partie des attractions. C'est très ressemblant. Quelle laide. Encore. Oh non, c'est le Chuck. Hey, Freepwood, c'est moi. Il y a un truc en dessous, là, par terre, avec des... Fin. Je te ferais regretter d'avoir osé venir jusque dans mon repère de l'innocent. Non, rien plus faire. Bientôt la fin. Les deux derniers. Escape from Monkey Island, c'est ça? Bon, ça, on a déjà vu. Pour l'instant, j'ai rien vu ramasser. Trop tard pour sortir. Est-ce que je peux faire quelque chose avec lui là-haut? C'est un diorama. Par elle-même, cette corde ferait une piètre amorce. Je peux pas utiliser, je peux pas utiliser, je peux pas utiliser la corde. Je peux pas utiliser la corde avec ça. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. C'est le mousse, le petit Lindy. Ah, clic. Clic. Alors voilà. On va faire une pause de rediffusion quand même. Je finirai par t'attraper et je ferai de toi mon esclave mort-vivant, Fleetwood. Peste. Aïe. Aouh. Trop tard pour sortir. Où suis-je censé aller? Parce que j'essaie bien de libérer Willy, mais en fait, c'est quelque chose qui doit arriver plus tard, apparemment. Il y a des clés, là, au sol. Je rêve où ça change à chaque fois. Ah non, c'était pas là qu'il y avait la... Si, c'était là qu'il y avait la casquette à la base. Donc, les éléments au sol changent. Où est-ce qu'il me faut passer? Non, c'est là qu'a été la casquette. Ça pique. Je ne peux pas utiliser le rhum avec ça. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne peux pas utiliser le rhum avec... Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Bon, il va arriver là. On va redescendre. A plus, Aria. Merci d'être venu. Ça fait plaisir, prends soin de toi, on va mettre le jeu en pause vite fait, hop là. Ça coupe la musique, c'est un peu embêtant. On va faire une coupure de rediffusion parce que ça fait 53 minutes que je suis en train de faire celle-ci. Et elle commence à se faire longue et j'ai tellement tourné en rond. Donc j'espère quand même qu'elle vous a plu, malgré le fait que justement ça a pris un petit peu de temps. Que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappe-jeu.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à tout de suite. Ou du moins, ciao tout le monde, ça dépend. À tout de suite.